Le gars que je trouve très très fort et très très touchant qui dit c'est un génocide. Donc c'est la partie avant les racines. Et je trouve que c'est ça qu'ils doivent voir. Parce que le reste, ils s'en foutent. L'histoire, ils disent qu'ils la connaissent et tout, c'est le gouvernement. Et disons que dès qu'ils peuvent se remettre dans un truc intellectuel, ça leur fait tout oublier. Parce que j'ai pas envie d'applaudir en voyant les morts comme ça, ça me rend profondément triste. Mais je pense qu'à partir de là, il y a quelque chose. C'est qui quand même? Justement, il était dit qu'il y avait une enquête qui serait organisée à la sortie. Alors donc, je pense que c'est le moment de passer à l'action parce que plusieurs décisions comme ça sont tombées après l'être mort. On en parle et après on oublie. Moi, je pense que si on veut être vraiment pragmatique, conséquent, dès à la sortie ce soir même, il faut déjà passer à l'action. D'accord, voilà. 46 ans qui ne sort pas dans le film, parce qu'on n'a pas pu tout mettre dans le film, mais dont on est devenus très amis. Nous, comme je vous dis, on vivait déjà avec des immigrants, des, plusieurs dans la chambre. Je l'ai pris dans mes bras, il vivait dans des grottes, il vivait vraiment, dormait dans la rue, quoi, dans des grottes, et ce n'était plus qu'un paquet d'os. Hein. Un homme de 46 ans qui avait fait le voyage parce qu'il espérait pouvoir payer une opération à sa fille, qui était restée au Maroc, sa petite fille de 7 ans. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de boulot qui fonctionne, il n'y a rien. Alors que ce sont des pays richissimes, des pays richissimes spoliés. Et là, c'était, je fais juste une petite incise, parce que son cas est très, très parlant de la réalité générale de tous nos pays. Ils sont en lien avec les Africains, ils sont en lien aussi avec les pays de l'Est. Et ils recensent tous les lieux de rétention des migrants. Et ils recensent ce qui se passe pour eux, ils font de la défense individuelle des migrants et ils essayent d'être en contact avec les gouvernements pour que les lieux où on cantonne les migrants respectent les droits humains. Donc il y a déjà tout un réseau qui existe et c'est peut-être important de le savoir parce que si des gens veulent s'engager, peut-être que c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent s'engager dans ces mouvements qui existent déjà. Donc, toutes mes félicitations pour ce beau document que vous avez présenté. Et nous vivons en Amérique, moi je suis haïtien de Haïti, la même situation. Des migrants haïtiens qui essayent d'arriver sur les côtes américaines à Miami ou à New York. Là, c'est dramatique aussi parce que ou bien on les retourne, ou bien une partie sont mangées par des requins. Je crois que la moitié des migrants qui essayent de fuir illégalement comme ça sur les petits bateaux finissent dans le ventre des requins. Et dans votre film, ça a été ressorti. Et là, je vous dis bon courage, parce que le travail vient de commencer seulement, Cécilia. Hein? Parce qu'il y a un autre travail qui va se faire, je souhaiterais que vous aviez le temps pour le faire pour nous aussi en Amérique latine, donc du côté de la Caraïbe vers les États-Unis, ou bien d'Haïti vers la République dominicaine, parce que là aussi, il y a un drame humain énorme. On en reparlera si on a le temps tout à l'heure. Mais il y a une autre facette qu'il faudra montrer, c'est que la migration, quand les gens partent comme ça, et ils vont mourir en mer, ils laissent tout un village dans
désarroi. Parce qu'ils ont dû emprunter de l'argent pour payer leur passage. Le village s'est endetté pour qu'ils puissent partir. Et le résultat, c'est les cadavres. Donc tout un village est en désarroi. Donc il y a une autre facette qu'il faudra continuer à nous montrer. Deuxièmement, vous nous aviez très bien montré que l'Angola, le Congo, etc., montant par le nord, ce sont des pays qui ont des ressources extraordinaires. Le Congo est tellement riche en mines de toutes sortes que c'est un véritable scandale géologique. Donc là, il y a une facette qu'il faudra montrer, la responsabilité des élites locales, élites politiques, élites économiques, qui ont leur responsabilité dans ce désarroi de leur population. Et là, vous avez bien montré le génocide, en comparant avec le génocide de la traite des Gruyères du 16e jusqu'au 19e. Et là, le chiffre est beaucoup plus énorme. On a constaté que pour chaque migrant qui arrivait en Amérique, il y avait 10 de tués qui étaient morts dans la suite du voyage. Or, on a pu évaluer à peu près 20 millions d'Africains sont arrivés vivants en Amérique. Donc 10 multiplié par 20, ça fait 200 millions d'hommes qui sont morts au cours de cette première traite des Gruyères. Et parmi lesquels, on a bien vu dans le film, disons, pour la migration actuelle, ce sont les jeunes, les hommes les plus robustes et les femmes les plus belles du continent africain qui ont été tués. Sa responsabilité historique dans la déportation de millions d'êtres humains, et il y a toujours une espèce de monnayage chez les historiens pour dire oui, alors c'est 100 millions, alors qu'on vit, c'est plutôt proche des 200 millions ou même plus. Toutes les recherches historiques que j'ai faites, elles me menaient aussi vers ce chiffre-là que vous dites. Mais on a opté pour mettre un des chiffres, pas le plus bas, parce qu'il y en a qui vont encore plus au rabais, mais on a opté pour les 100 millions parce qu'on les connaît. Hein. Et alors tout de suite, ils vont vous dire que c'est de la démagogie, ils vont dire que blabli, que blabla, simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire ou parce qu'ils ne veulent pas la connaître. Et on a un peu opté pour ça. Une attitude un peu diplomatique, mais je suis contente que vous le disiez. Je suis contente que vous le disiez, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut réclamer. C'est la plus grande déportation jamais survenue dans l'histoire et qui est à la base de l'avènement capitaliste, de la suprématie européenne, de même qu'est à la base de cela l'exploitation de Ouro Preto au Brésil ou de Mines de Potosi en Bolivie. Et quelque chose qui est très difficile de reconnaître. Moi, je me rappelle ici, lorsque j'étudiais l'histoire, en histoire économique, j'avais de terribles débats avec mes professeurs d'histoire sur cette question-là. Je me souviens d'un professeur qui, devant une grande salle de 600 élèves, a osé dire, et nous sommes levés, moi et un compagnon de Trinidad et Tobago, nous étions les seuls à nous lever, on était de tout retourner, il a osé dire que la révolution industrielle européenne s'est faite parce que l'Europe cumulait la plus grande partie d'inventeurs et de cerveaux. Et donc, c'est cette accumulation de cerveau, oui, je vous jure, qui a permis qu'il fasse la révolution industrielle et qui expliquerait ce qui se passe aujourd'hui. Là. Ce genre de mythe du berceau de la civilisation, merci, quoi. Et moi, j'aime beaucoup chez Mbuyi Kabunda, un des professeurs qui est là, c'est qu'il est de cette nouvelle école africaniste, latino-américaniste, qui avance, qui se rend compte que le concept du développement qu'on nous a vendu est un mythe, ainsi que d'autres mythes que l'on doit briser pour vraiment réussir un développement endogène de nos sociétés, de nos cultures, de nos autonomies, qui va nous permettre de sortir de cette impasse, parce que c'est une impasse. Ce que vous dites par rapport à l'émigration d'Amérique latine, c'est terrible. Le désert entre le Mexique et les États-Unis, c'est aussi une tombe, hein. La quantité de migrants mexicains, colombiens, notamment, et évidemment dominicains, il y en a de toutes les nationalités. Évidemment, les pays les plus saccagés sont ceux d'où sortent le plus de personnes. En Amérique latine en ce moment, ben, évidemment, c'est la Colombie, Haïti, le Pérou et la République dominicaine et le Mexique qui exportent le plus de chair humaine. Après, il y a les autres, mais effectivement, et en Afrique aussi, on le voit, c'est automatique. Plus le pays a de richesses, plus il est saccagé, plus de personnes il exportera. On en parlait avant à une table, au Rambla, une rue très touristique de Barcelone, le soir à partir de 19h, bien, il n'y a pas un d'entre vous qui ne va pas le voir s'il y va. Vous y allez, 19h, il y a des allées de jeunes filles de 16, 17, 18, 19, 20 ans, mais vraiment, hein, qui sont là à offerter à la prostitution, et la majorité d'entre elles sont nigériennes, colombiennes ou dominicaines. Demande, hein, des pays riches et saccagés. Mais vraiment, une quantité incroyable.
des Nigériens, alors que le Nigéria est un pays qui produit 3 millions de barils de pétrole par jour. Normal. Diffuser ce film massivement, hein, à travers toutes les écoles, les télévisions, les universités, diffusion massive. J'espère que tous ceux qui sont ici vont vous aider à ça. Moi, je suis une information sur l'ensemble de l'action, parce que je dois partir. Moi, je pense que l'instance où il faudrait porter le message, ce serait au niveau de Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme, dès l'instant qu'il y a plusieurs pays qui réussissent à ratifier cette convention des droits des migrants. Parce qu'il y a une convention pour les droits des migrants que la Suisse ne refuse de signer, que beaucoup d'autres pays refusent de signer. Et donc, je pense que profiter d'une session du Parlement européen pour essayer, je sais pas, de distribuer ces idées à des eurodéputés, ce serait une bonne façon de porter le message. Et aussi, deuxième information, ici à Genève, il y a un observatoire des migrants. Mais il y a deux ou trois personnes qui se battent au quotidien pour, disons, évoquer les cas de, où on viole systématiquement le droit des migrants, mais cet observatoire a de la peine à exister. Ici à Genève, ils ont énormément de problèmes financiers. Donc je crois que c'est tout dans le temps de travailler en synergie pour que quelque chose puisse émerger. Voilà, merci. Monsieur, Merci, il reste encore. Merci, j'aimerais vous remercier aussi de ce film. Et puis, bon, par rapport aux politiciens, c'est très, cet phénomène est très complexe. Et puis, je salue l'initiative de la société civile, parce qu'on voit comment ça, ça me fait mal, parce que moi-même, je suis chercheur, et puis je participe à une recherche sur la question. Mais j'ai vu combien, donc, la société civile, Soba pour expliquer le phénomène, alors que les politiciens s'en foutent. Alors, moi, je pense que c'est en collaboration. Moi, je suis enseignant universitaire et je crois que c'est la collaboration avec la société civile, avec les citoyens, qu'on peut faire bouger les choses. Sinon, les politiciens s'en foutent. Et je profite de. On ne peut pas mettre tous les politiciens dans le même sens. Non, non, peut-être je parle de la responsabilité aussi des politiciens africains, parce que moi j'ai été sur le terrain, on avait une journée d'études aussi que nous organisons à la Haute École des Travaux Sociaux de Genève, qui porte sur la même problématique, l'immigration des jeunes d'Afrique subsaharienne, et quel défi pour l'avenir. Et donc c'est une recherche qu'on a fait. Il faut passer le fil là-bas, le sujet qui est très compliqué. Très sensible, forcer l'Occident à prendre conscience de l'immensité du crime de la traite des crières. Parce que c'est, pour moi, c'est une des bases nécessaires avant que les choses puissent vraiment commencer à changer. En France, je vais pas commencer en Suisse. Si vous hébergez, si vous offrez un peu d'argent, ou à inviter quelqu'un à manger, ou à dormir, quelqu'un qui n'a pas de papier, un migrant, de quelque nationalité qu'il soit, si votre voisin appelle la police, ils vont venir et vous allez en prison, et lui, évidemment, il va y aller. Donc, je veux dire, c'est inadmissible que les gens, ils peuvent accepter des obsèques dans la rue, appeler contre ça. À Calais, par exemple, c'est l'horreur. Mais ça, c'est qui parle de la délocalisation sur place. Ouais. C'est-à-dire, bon, les entreprises délocalisent là où elles payent le moins cher, l'ouvrir, pour faire un profit capitaliste. Mais dans certains secteurs, on ne peut pas délocaliser. Alors, la construction, les hôtels, le travail à domicile, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a, il parle aussi le concept de stock rénovable des migrants. Et c'est toute l'analyse sur ça aussi, c'est tout un sujet. Je vous félicite de ce reportage, je trouve très bien. Je félicite madame de son reportage, que je trouve vraiment magnifique. Il facilite. Voilà, je félicite. Je félicite. Voilà. Moi, je voulais juste donner un message, en tout cas en tant que diaspora ici, 30 ans après ici en Europe. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai fait une sensibilisation donc en Afrique. Bien sûr qu'on se retrouve ici maintenant depuis des années à discuter des tas de choses, des choses comme ça, les autorités de nos pays. C'est aujourd'hui on voit
qu'avant qu'on parle de la traite négrière, que c'était par force. Et là, l'Occident, les Blancs donc, prenaient les meilleures chairs africaines, les plus forts, les plus qui devaient développer l'Afrique pour amener ailleurs, pour pouvoir s'enrichir. Aujourd'hui, c'est personne, donc ces jeunes africains, aussi encore c'est les meilleurs, qui sont en train de risquer leur vie pour 90% en sachant que traverser l'Atlantique, il y a la mort. Moi, j'ai eu deux de mes frères qui ont risqué leur vie, qui sont morts. Il y en a un qui était marié, qui a laissé sa femme là-bas. Et je même envoyé de l'argent. Un de cet argent a servi pour que lui puisse aller payer, que moi je ne savais pas. Et aujourd'hui, c'est pour sensibiliser, c'est en Afrique, moi je pense, qu'on doit le faire. Parce qu'ici, pour moi, c'est perdu là. Parce que les autorités d'Occident avec l'Afrique signent des accords.